Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Alors allons-y pour vous. Les Vierges, quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril 2023? Alors je vais prendre deux messages. Et le dos. On va faire de même avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Alors, on va prendre deux messages et le dos. Et on a la gentillesse encore en dos. Souvent, je le vois, hein, gentillesse, gentillesse. Et nous avons « Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. » On vous dit « Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. » Laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu au message hein, que la Vierge a transmis hein, à des enfants. Alors, c'était le 17 janvier 1871. C'était à Pontmain, en Mayenne. Donc, il y a eu l'apparition de la Vierge, hein, Marie. Elle est apparue hein, à ses quatre enfants du village et en délivrant hein, ce message d'espoir à ce village. Hein. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Donc c'est marrant, c'est comme si on vous disait, c'est comme si c'était un message d'espoir. Hein. Qu'on vous envoyait. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Donc voilà, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Et on a le message joue. Retrouve le plaisir de jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement, on vous dit. C'est marrant, je me sens hyper détachée là aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est normal. Oui, on parle d'une opportunité qui arrive à vous. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Et nous avons la surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Alors, c'est marrant, on a déployé vous comme une fougère. Et je vous parlais de Pontmain en Mayenne. Hein. En sachant que Pontmain est à 20 minutes hein, de la ville de Fougères hein, dans le 35. Donc, Pontmain est dans le 53. Mais on est... c'est marrant. C'est marrant. Nous avons origine. Souvenez-vous de vos racines. Donc, c'est marrant. Disons que le fait que c'est... Voilà, j'ai... Il n'y a pas de hasard là. Hein, donc, on vous dit vraiment de vous laisser toucher. Hein. Par quelque chose qui arrive, hein, qui est merveilleux pour vous, de l'accueillir vraiment, les Vierges. Alors, on va continuer avec l'oracle Maria Ange d'Amour. On vous dit, cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi. Vos âmes sont connectées et on a la purification à la pleine lune et un défunt est auprès de vous. Donc, j'ai envie de vous dire, oui, peut-être, voilà, aux alentours du 5 mai. Donc, ça ne va peut-être pas arriver tout de suite. Hein, mais pour moi, il y a une rencontre hein, pour vous, les Vierges, hein, qui va vous apporter de la joie. Alors, peut-être aussi un retour, hein, parce qu'on vous dit que cette personne ressent un vide.
Donc on parle hein, peut-être d'un retour. On a la femme toxique. Il y a une situation toxique là hein, qui s'est passée. Alors on a la rencontre. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ça a l'air compliqué. Je sens que c'est compliqué là. C'est une histoire qui n'est pas simple. Oh oui. On vous dit de vous méfier de certaines personnes malhonnêtes. Hein, et on parle d'une situation qui est froide et gelée avec votre hôte, les Vierges. Et pour moi, hein, alors en tout cas, cette personne hein, avec qui il y a un froid, hein, on vous dit que, elle ressent un vide. Hein, on lui demande d'être à son écoute. Elle rêve. Elle aimerait peut-être, elle aimerait revenir avec vous, je sens. Mais il y a eu un gros froid entre vous. Et je pense que vous allez être surpris hein, ou surprise de ce retour. Ah oui, cette personne t'aime, on vous dit. C'est marrant, vous étiez peut-être dans une relation un petit peu espiègle. Hein. Voilà, on s'amusait comme des enfants là. Mais il y a eu une personne toxique. Hein. Ouais, alors on parle de surprise, de choc hein, qui arrive. C'est quoi ça? Allons-y. On vous dit qu'un homme va vous aider. On parle de solitude, dans votre solitude, hein, on parle d'un nouveau départ, d'un commencement en amour. On vous dit de prendre le temps de vous écouter. On parle d'une communication fluide hein, qui va arriver soudainement. Et ça va être assez fluide. Hein. On a les énergies tierces, ben, ça ne m'étonne pas, dans l'entourage. Hein. On vous dit que l'archange Michael coupe les liens toxiques. Donc toutes les personnes qui ont pu participer ou la personne qui a pu participer finalement à votre éloignement, à votre rupture, hein, elles vont partir du paysage. Pour l'instant, la situation est froide et gelée. Est-ce que c'est vous qui êtes devenu froide ou froid avec cette personne? Ou est-ce que c'est la situation entre vous? Moi, j'ai l'impression, de toute façon, l'un comme l'autre, vous êtes responsable en fait. Hein. On n'a pas réussi à communiquer, à bien s'expliquer. Mais pour moi, il y a une raison, ce n'est pas de votre faute ou de la faute de l'autre. C'est à cause des énergies tierces. Et on parle de se reposer, méditer, prendre des vacances. Il y a vraiment ce besoin, mais de toute façon, je le ressens depuis un petit moment, même chez moi. Hein. On a vraiment besoin de repos. Les énergies sont... Je trouve que c'est... Je trouve qu'on fait beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves, beaucoup... On dort très mal. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui va vous aider à ne pas revenir en arrière, mais à aller de l'avant plutôt. On ne revient pas sur ce qui s'est passé. On ne ressasse pas le passé. On ne ressasse pas... voilà, on n'est pas là pour se faire des reproches et rester hein, sur des reproches. On va avancer. Et pour ça, on a besoin peut-être d'aide hein, qu'on va avoir. Hein. La solitude. Hein. Ça fait un moment que vous êtes seul. Hein, ou en tout cas, on parle d'une lenteur hein, dans la situation. Hein. Et on parle de changements qui arrivent par rapport à vous deux. La situation, je l'ai... Ben, on vous dit bien, c'est à cause d'une femme fausse, toxique. Pour moi, c'est une femme, là. C'est marrant, hein, tout à l'heure, j'avais la femme fausse, toxique, hein, en début de tirage. Alors, je ne sais pas si on voyait hein, les lames. Et j'avais l'âme sœur, les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'elle a créé par rapport... à cette notion de... Bon, il y a des retrouvailles. Pour moi, elle s'est interposée dans votre relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Et elle a peut-être fait même croire, pour moi, cette personne, qu'elle était l'âme sœur ou la flamme jumelle de votre autre. Donc, si vous êtes un homme, hein, c'est peut-être une femme hein, qui vous a fait croire hein, qu'elle était votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et finalement, ce n'est pas le cas. Hein. Trouver son chemin.
On cherche son chemin là. Et pour ça, on vous dit que pour trouver votre chemin, il faut vraiment être à l'écoute, hein, à votre écoute. Oui, ayez la foi, soyez positif, vous allez trouver ce chemin si vous êtes vraiment à votre écoute. La communication fluide. Hein. La communication va vous amener à vous rencontrer sans doute, mais on parle de distance, on parle d'étranger aussi, hein, peut-être de voyage. Alors soit vous avez besoin de vous déplacer pour vous rencontrer, soit vous avez envie de voilà de vous rencontrer dans un lieu neutre, pas chez l'un, pas chez l'autre, mais vraiment vous retrouver sur un lieu un petit peu inconnu pour pouvoir discuter plus facilement, justement, plus librement. Et on a les messages dans les rêves. Alors, bon, il y a un changement de vie qui arrive, il y a une transformation. Et on vous dit bien que cette personne vous observe et vous espionne. Et on a encore, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Écoutez votre petit enfant intérieur. Bon, je pense qu'il n'y a pas qu'un homme qui va vous aider, il y a une femme aussi. Donc, dans les personnes qui vous entourent, il n'y a pas que des personnes négatives, il y a quand même des personnes positives. Et on parle d'une rencontre. J'ai quelqu'un qui sait, qui ressent le mal qu'il vous a fait, la blessure que vous avez pu ressentir. Hein. À cause des énergies tierces, en plus, hein, toxiques. Hein. Et cette personne est dans le manque, hein, depuis cet éloignement. Alors, est-ce que cette personne a le talent et le don de faire rire, d'amuser sa galerie? Je pense que c'est peut-être comme ça qu'elle va essayer de vous reconquérir, cette personne. Parce qu'elle vous connaît quand même assez bien. Elle vous connaît assez bien. On vous dit bien de vous méfier, hein, de certaines personnes, mais l'archange Michael est là pour vous aider. Hein. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael pour couper les liens toxiques. Ouais. Et il y a maman aussi, un hein, mari qui vous guide. Hein. On vous dit d'utiliser vos dons et vos talents. Alors peut-être d'être dans l'espièglerie avec cette personne. Hein. Voilà. Il y a un gros désir. Et ce désir, hein, voilà, il est apparu dès cet éloignement, dès cette rupture. Il y a eu déjà ce manque. Et on parle que vos âmes sont connectées. Se reposer, méditer, prendre des vacances. On a le désaccord là. Parce qu'on est en conflit, on a besoin de repos là. On a besoin de retrouver son calme. Ouais, on parle de beaucoup de négatifs. On a même l'homme toxique. Hein. Alors, il y a peut-être une femme toxique, mais un homme toxique, parce que pour moi, ils sont plusieurs. Hein. Et là, on parle, hein, les anges vous envoient de l'amour. On vous dit d'utiliser ton don, ton talent. Et il y a bien une demande en mariage, de fiançailles, en tout cas d'engagement. Ouais, il y a un désir en tout cas de s'unir avec vous, de vous retrouver. Et pour cette personne, c'est même devenu un rêve. Hein. Oui, c'est vraiment devenu un rêve pour cette personne. Alors, on y va. Pour vous, les vierges, on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. J'ai quelqu'un qui veut prendre une décision là, qui est en train de prendre une décision par rapport à votre situation. Ouais, et qui veut arriver assez vite, hein, qui veut avancer assez vite là. C'est une décision qui va être rapide. Hein. On parle d'équilibre. Hein. J'ai quelqu'un qui, voilà,
Vous inquiétez pas, cette personne a trouvé son équilibre. Hein. C'est pas. Ouais. On a la justice. Cette personne va reconnaître. Hein. Eh ben, elle va reconnaître hein, qu'elle a peut-être été immature avec vous. Qu'elle a manqué. Comment dire hein, qu'elle a manqué. Voilà, qu'elle a manqué d'informations, que les informations qu'elle a eues sur vous étaient controversées un petit peu hein, par les énergies tierces. Hein. Alors, nous avons le 3 de calice et nous avons la terre-mère. On parle de partager de très bons moments, de retrouver hein, sa joie de vivre, de retrouver son indépendance hein, grâce à un projet, grâce à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et oui, il y a la renaissance, hein, là, j'ai le renouveau de souhait. Il y a des souhaits. Voilà, peut-être qu'on avait ce souhait avec cette personne. Finalement, on s'était dit, bah non, ça ne va pas se réaliser. Et là, il y a le renouveau, hein. Ces souhaits sont à nouveau réalisables. Hein. Ouais. Le souhait de vous unir est à nouveau réalisable. Hein. Et je crois que c'est ce titre hein, que je vais mettre pour vous, les vierges. Hein. Ouais, le souhait de vous unir. Hop là, voilà. Alors, allons-y. En continuant, on va faire un tableau en neuf. Allons-y. Il y a eu beaucoup de conflits. On va avoir de la clarté. Ça a été très froid. Hein. C'est très froid entre vous. Il y a la réconciliation. On souhaite une nouvelle rencontre. On souhaite une nouvelle chance. J'ai les signes. Des Gémeaux, de la Vierge, du Lion, du Sagittaire. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui va prendre une décision suite à des conflits. Ouais, il y a la victoire, hein, de toute façon. On dit bien qu'il y a un manque hein, par rapport. Voilà, la personne est très nostalgique de vous. Nostalgique de tout ce que vous avez pu voilà, donner. Elle est nostalgique aussi de la magie qu'il y avait entre vous. Hein. J'entends qu'il y avait une certaine magie entre vous. Ok. Allons-y. Alors, je vais commencer par le 5 d'Atamé. On parle d'une impasse. On est dans une impasse. Hein. On ne sait pas comment se sortir hein, de cette situation. On a les conflits qui ressortent, les tensions. On a peur qu'il y ait encore des tensions là. Peut-être que votre hôte, voilà, il veut revenir, hein, mais il a peur hein, qu'il y ait encore des tensions parce que c'est une personne qui a été très autoritaire avec vous, qui a voulu vous donner peut-être même des ordres, vous dire quoi faire, hein, décider à votre place aussi. Et c'est peut-être ça qui a créé hein, cette situation hein, très froide. Et j'ai envie de dire, et vous vous êtes retrouvé finalement dans une impasse hein, où on ne trouve pas de solution. Parce que j'ai une personne qui veut bah, tout simplement hein, dire quoi faire. Il faut que la personne s'exécute et puis vous n'êtes pas d'accord quoi. Donc il y a une transformation par rapport à cette situation. Il y a une nouvelle opportunité hein, qui s'ouvre à vous deux et puis c'est plutôt pas mal avec ce neuf de deniers. Hein. Alors,
j'ai le signe des Capricornes. J'ai le signe des Capricornes. Et j'ai le début de l'été pour ceux qui le souhaitent. Et j'ai le signe des taureaux et des vierges, je crois que j'ai dit, et des gémeaux, je ne sais plus. Y a une décision là. Elle est bien réfléchie, cette décision, par votre autre. C'est pour ça, vous inquiétez pas, hein, il ne revient pas comme ça sur un tout coup de tête, ou même elle ne revient pas sur un coup de tête. Hein. C'est bien réfléchi, hein. On est vraiment dans le manque, on regrette. Hein. Ouais, on parle de clarté. J'ai quelqu'un qui voit plus clair aussi. Hein. Comment on en est venu à cette impasse, à ces difficultés avec l'autre? On y voit plus clair. Et il y a une guérison. Ouais. On se méfie quand même hein, par rapport aux actions qu'il y a eu. Hein, et à ce qui a pu se dire. Hein, on se dit, voilà, c'est... On n'est pas certain hein, que vous allez être accueillant là, hein, dans cette situation. Hein, parce qu'il y a eu un certain temps à être passé. Donc, on vous dit bien, de toute façon, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi et qui vient, hein, qui est équilibrée. Hein. Et cette personne, elle veut un engagement avec vous. Hein. Ouais. Là, il y a un nouveau commencement. Et il y a beaucoup d'amour. Hein. On parle de beaucoup d'amour. J'ai quelqu'un qui a repris son pouvoir par rapport au tiers souci hein, et sa force. Cette personne veut s'investir hein, dans votre relation d'amour. Hein. Elle se rend compte avec le temps hein, qu'en fait, elle a de réels sentiments hein, pour vous. Hein. Et là, elle angoisse. Elle en angoisse hein, par rapport à cet investissement. Elle s'est rendue compte aussi qu'elle a loupé cette opportunité, qu'elle n'a pas vu en fait hein, que vous étiez là en fait hein, pour vraiment lui apporter de l'amour hein. Et elle veut venir communiquer ses sentiments avec vous hein. Et elle veut quelque chose de fécond, hein, de nouveau avec vous. Elle est vraiment dans le manque cette personne avec vous. Alors allons-y. Et oui, vous allez vous rencontrer, on parle hein, voilà, réaliser hein, ce rêve hein, de s'engager ensemble. Hein, et on parle de triomphe, là on a tout. Hein. J'ai envie de vous dire, on a vraiment tout, on a la grande réussite. Hein. On a le bonheur hein, qui rentre dans votre vie, les vierges. Hein. Avec ce 10 de pentacle, on parle de réussir sa vie, de familiale. Hein. Grâce à un engagement, on parle d'action par rapport à votre relation d'amoureux et d'une grande réussite surtout. Il y aura plein de petites attentions pour vous. Cette personne veut vraiment vous reconquérir, moi, pour moi. Elle veut reconquérir votre cœur. Mais elle va sentir qu'il y a une certaine méfiance. C'est pour ça, hein, elle va tout faire pour reconquérir votre cœur. Hein. Et elle ne va pas vouloir vous lâcher. Hein, parce qu'elle sait que vous êtes... vous êtes l'unique, j'ai envie de dire, ouais, j'ai un petit peu ça comme message. Elle se rend compte que vous êtes unique. Ouais. Ouais. Elle veut construire avec vous cette personne. Ouais. Et ce souhait de se réconcilier arrive. On a le signe du scorpion également. Ouais. Et très beau. Hein. On finit avec le soleil là. Voilà, elle vient. Suite à une rupture, elle revient cette personne. Et là, on parle d'une réussite. De prendre du plaisir ensemble. Il y a le côté espiègle qui ressort. Hein. Vous êtes un couple, vous aimez hein, passer des bons moments, vous amuser, rire ensemble. C'est ça qui est incroyable, c'est que une personne a réussi hein, finalement à vous retirer à l'un et à l'autre votre sourire. Hein. Donc voilà, on va finir avec l'archange Michael. Non, l'archange Raphaël, pardon.
de Dorine Virtu. Et on finira également avec un message de vos anges. Alors allons-y, pour vous les Vierges, quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril 2023? Oh, comme ça, elle est tombée. En alimentation biologique, on vous dit, cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Et en dos, nous avons l'alimentation, c'est important. Alors sans doute que c'est important pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude, prenez seulement les messages hein, qui résonnent en vous. On vous dit, cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Et on a la guérison par le rire. Allez, on finit avec message de vos anges. Est-ce que cette rupture aussi a un lien avec peut-être des produits néfastes hein, que votre autre consommait? Ça se peut également. Et ça n'a pas aidé. En plus des personnes néfastes, peut-être qu'il y a eu voilà, ça qui n'a pas aidé non plus. Et nous avons Opale. On vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Et nous avons Océane qui vous dit, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc voilà les Vierges pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence. Donc merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci également pour tous vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.